priez pour nous. Sainte Philomène, Sainte Anoarite, Sainte Joséphine Paquita, venez. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Maintenant, nous gardons le silence. Nous gardons le silence. Voilà, on a mal accueilli. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Les saints sont là aussi. Et ils vont beaucoup agir. Je vais faire descendre l'Esprit Saint. Dina wa tchikhilum yalla. Tal sa faram chien. Taolen fingen tahou. Chant avec l'Esprit de sainteté. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous t'appeler, oh viens, viens, Esprit de sainteté. Oui, Esprit Saint, viens, Esprit de lumière, tu entends l'appel de tes servantes et serviteurs. Il t'appelle, toi, Esprit de feu. Il t'appelle, toi, qui embrase. Il t'appelle, Esprit Saint, toi, qui bénis. Toi, qui guéris. Toi, qui délivre. Descends. Descends du ciel maintenant. Viens les visiter. Viens le visiter, descends, 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 descends. Viens nous embrasser, oui viens. Viens avec force, oui viens. Viens avec force, descends. Descends, remplis, descends là, descends, 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 descends. J'allume ton feu ici, j'allume ton feu, purifie, brûle, détruis, guéris, libère, redresse, brûle. Avec force, Esprit Saint, viens avec force. Descends. 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 Esprit Saint, viens avec force. Avec la force qui est la tienne. Descends ici. Descends ici. Descends ici. J'allume ton feu là. J'allume l'esprit ton feu. Oui, viens. Ici. Nous sommes passés. Descends. Nous t'appelons, oui, viens. Ton feu. Ton feu. Encore. Je veux ton feu. Ton feu. Ton feu, Esprit Saint. Ton feu. Brûle. Ton feu ici, ton feu Esprit Saint, je le veux fort, ton feu, 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 ici, je l'allume ici, ton feu, je l'allume ici, ton feu, sous cette bâche, je l'allume, ton feu. Ton feu là, je l'allume ici, je l'allume ici, jusqu'au fond de cette bâche, je mets ton feu, je mets ton feu, avec force, descends, 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 visite, je l'allume,
Je l'allume. Je l'allume. Ton feu. Ton feu. Feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu, feu, ton feu, ton feu. Encore, visite-les. Visite-les, visite-les, visite-les. Visite-les. Encore. 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 Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu, Esprit Saint. Ton feu. Embrasse-les. Embrasse-les. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu brûle. Entre, 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 ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, entre, 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 ton feu, ton feu, feu de l'esprit encore, feu de l'esprit, feu de l'esprit. Feu de l'esprit, feu de l'esprit, Jésus envoie. Souffle, 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 souffle. Encore, souffle, Jésus, souffle. Encore, souffle. Esprit de feu, viens. Esprit de feu, Esprit de lumière. Promène-toi, Esprit Saint. Promène-toi dans l'église, sous les bâches. Promène-toi sous les bâches, dans l'église. Oui, viens. Oui, viens. Promène-toi ici, promène-toi ici, promène-toi ici, promène-toi ici, Esprit Saint, promène-toi là. Ton souffle, 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 promène-toi, promène-toi ici, encore, 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 encore. Encore, promène-toi là, sous cette bâche, dans la cour, ici. Prends possession là. Prends possession. Prends possession. Oui. Prends possession. Prends possession, Esprit Saint. Encore. Encore, Esprit Saint, agis. Esprit Saint, agis. Brûle. 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 On va louer maintenant le Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, ton amour. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre vie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Chantons, gloire à ton nom, auteur de notre vie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Tu n'as pas exigé de garantir avant de manifester ton
doit exiger de garantir pour nous arracher du feu de gloire à ton nom. De notre joie, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Dieu de notre foi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, que Jésus soit acclamé, 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 que Jésus soit acclamé. Alléluia, l'heure de la vie. Oh, rabababababababa. Alléluia, l'heure de la victoire et l'heure de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Alléluia, l'heure de la victoire et l'heure de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Que Jésus soit célébré. Tu peux acclamer fort Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà, ma prophétie. Ni yor galaj ni takka galaj andi len ko ma wat len ne andul ak yalla ben dine beuguko suñu mbok musulman dañuy def fene c'est permis mais l'islam interdit ça te malen di wax toujours yoyu ngeen di tak bunte lañu ndax seytane dugu ci yeen amna ñi fi ñew suma dinte galaj bi rek mu commencé yuhu voilà ñi am ay galaj ngareer ñi won la yoon andil ma galaj. Alors la première intercession, nous allons commencer. Man gen tok maintenant. Nous allons commencer maintenant. Première intercession. Nous allons prier pour ceux qui ont les examens, le baccalauréat, le BFEM, et peut-être qu'il y en a qui ont aussi des concours. Alors vous venez en Raphaël et Henri. Raphaël est là. Où est Henri? Bon, 1, 2, 3. Venez en rang. Ceux qui ont le bac, le BFM, ou ceux qui ont des concours. Venez en rang, ici un rang, ici un rang, ici un rang. Thank you.
Saint-Esprit, nous désirons te recevoir. J'aimerais parler aussi à ceux qui nous suivent en ligne, qui passent des examens et concours, qui nous suivent en ligne. Il faut aussi vous disposer. Et nous sommes en train de demander à Dieu de nous accorder à tous ces enfants, à toutes ces personnes qui vont passer des concours, examens. Nous demandons au nom de Jésus que l'esprit d'intelligence leur soit accordé maintenant. Vous qui nous suivez en ligne, vous levez simplement la main et vous vous disposez, vous recevez aussi la grâce maintenant. Nous désirons, Saint-Esprit, te recevoir. Nous désirons fortement te recevoir. Saint-Esprit, nous désirons te recevoir encore. Nous te demandons de visiter déjà ces enfants, de visiter ces personnes, de visiter ces personnes, ces enfants qui ont même déjà passé des concours et ceux qui vont encore passer et ceux-là même qui vont passer des examens. Nous te les confions maintenant. Nous désirons maintenant. Nous désirons maintenant que la puissance du Très-Haut vienne maintenant. Vienne maintenant. Vienne maintenant. Au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, remplis maintenant. Remplis-les maintenant. Ouvre leur intelligence. Ouvre leur intelligence à la connaissance, à tout ce qu'ils ont étudié, à tout ce qu'il a été enseigné. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, nous t'appelons pour que tu viennes encore, Saint-Esprit, révéler à tes enfants tout ce qu'ils ont étudié durant toute cette année. Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit, c'est toi qui enseignes. Viens maintenant. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit. Alors viens, lui viens. 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 Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Le temps. Le temps de nous remplir est
avec nous, chante avec nous. Le temps de nous remplir est arrivé. Nous te le demandons, oui, viens dans nos vies, viens dans nos familles. Chante, viens, chante, s'il te plaît. Oui, viens, oh, oh, viens, viens, viens. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, oui, le temps, le temps. Nous te le demandons, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, viens, oh Rabaché, viens, oui viens, oh Saint-Esprit, viens, dans le temps. Saint-Esprit, c'est le temps. C'est le temps, Saint-Esprit. C'est le temps, Saint-Esprit. C'est vraiment le temps de les remplir. C'est le temps des examens, Saint-Esprit. C'est le temps des concours, Saint-Esprit. C'est le temps où le Fils de l'homme doit se révéler. Tu dis dans le livre de Malachie, l'heure vient et l'on saura qui c'est Dieu. L'on saura qui sont tes enfants. Remplis-les, Saint-Esprit. Remplis-les, Saint-Esprit. Sakara baba 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 Rimarare borobo sakaria da ramano rande kere bada karaba da ba 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 sandele bo sandele bo sandele bo laria kada kando lobo shaba ba 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 iranda karo forobo shara ba 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 larende kere asande kere asande kere asande kere roba ba 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 lauro bodo bo bo bo. Tout esprit d'échec, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de maladie, je te chasse dans la vie de ces enfants. Ceux-là même qui sont malades, qui n'arrivent pas à passer ces examens. Je te chasse, oh esprit de maladie, dans la vie de ces enfants. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, Shakiria bada ba 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 ba
C'est maintenant. Tout ce qui est voile, posé sur l'intelligence de ses enfants. J'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère l'intelligence, libère la connaissance. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, je viens maintenant te présenter ces personnes à l'approche des examens qui tombent malades. Je te prie maintenant, commence à les visiter. Commence à les toucher. Tous ceux qui partent à l'école et qui tombent en transe à l'école. Parce qu'il y a une présence d'un esprit de famille qui est à la suite. Je prie maintenant au nom de Jésus. Même ceux qui nous suivent en ligne, je prie maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit invoqué dans ta famille, qui te suit et qui font que tu n'arrives pas à retenir les leçons, tu n'arrives pas à aller à l'école normalement, tu n'arrives pas à étudier normalement, je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Feu. Je libère le feu, même en ligne. Je libère le feu, au nom de Jésus. Dans les centres de partout où vous allez composer, les centres d'examen, j'envoie le feu au nom de Jésus. Saint-Esprit.
souffre, 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 souffre dans les centres d'examen. Souffre, 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 souffre. Maintenant. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promesse, Saint-Esprit. Consolateur. Visite-les. Visite-les. Tu es la promesse, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Tu as été promis. Oh Seigneur. Saint-Esprit, viens. On va faire silence. On va écouter le Saint-Esprit.
Il est en train de toucher l'intelligence de plusieurs au milieu de nous. Il est en train de toucher l'intelligence de plusieurs au milieu de nous. L'intelligence de plusieurs au milieu de nous. Il est en train de visiter des personnes au niveau de leur intelligence. Dans la brise légère, il touche. Il touche. Il touche. Vous qui êtes en train d'avancer pour la prière, je vous demande de vous disposer à ce qu'il est en train de toucher l'intelligence. Il touche l'intelligence. Ça sera fort pour certains, mais soyez vraiment dans le calme. Dans la brise légère, il est en train de toucher. Saint-Esprit, je te confie aussi tous ceux-là même qui vont surveiller ces examens. Tous ceux qui vont surveiller ces examens, qui vont corriger les examens, les concours, Saint-Esprit. Je prie maintenant que dans la brise légère, que tu commences à les toucher. Que tu commences à les toucher. Que tu commences à les toucher. Waouh. Waouh. Il y en a qui ne pourront pas tenir. C'est vrai qu'ils ont déjà prié pour vous. Vous êtes partis à vos places. Mais l'onction de Dieu va tomber sur vous. Aidez-les. Vous allez avoir vos examens d'office, 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 d'office au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sakara baba baba baba. Le rada rabayaka. Sobra yan sendelebo sakara. Wouh! Bekere asaka. Bekere asakara baka. Lirianda la home sorobo shaba baba baba. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La puissance de Dieu est en train de tomber. Le ciel est ouvert. Vous qui nous suivez en ligne, le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert. Tu as passé des examens. Tu as échoué, mais cette année, tu n'échoueras pas. Cette année, tu n'échoueras pas. Cette année, tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus. Sakara baba baba. Le braba ya sandala. Rabbi le bohom salaba baba baba. Hey. Oh. Dieu s'est levé et il libère son esprit. Dieu s'est levé. Et son esprit s'empare de vous. Comme Ézéchiel, dans la vallée, vous allez voir des choses. Vous allez entendre des choses. Vous allez avoir des réponses. Vous allez composer dans la paix de Jésus. Et vous allez réussir d'office. Alléluia. Au nom de Jésus. Sababa. Sare Kandalaya. Rabababa. Oh. Sandekere Asada. Oh, Saint-Esprit. Merci, 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 Saint-Esprit. Oh. Regardez partout dehors. L'onction de Dieu est tombée. La faveur de Dieu vient de descendre. Quel que soit le concours que tu vas passer, je te l'annonce aujourd'hui. Le 2, nous sommes le 2, septième mois, le mois où Dieu s'est reposé. La faveur de Dieu vient de tomber sur toi. Alléluia. Kora baba baba. Liria barobo sataka mama mama mama. Oh. Merci, Saint-Esprit. Je vois comme une pluie
une pluie qui est en train de tomber. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain, mais une pluie va tomber. Une pluie va tomber. Et sera une pluie de bénédiction. Je vous l'annonce au nom de Jésus. Sakara baba 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 baba. Léria. Ouh. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de libérer beaucoup de personnes. Il est en train de libérer beaucoup de personnes. Des personnes qui avaient perdu des choses. Oh. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il y a des personnes qui avaient fréquemment des douleurs de tête. Même en allant à l'école. Toute l'année, vous êtes tombés malades. Vous êtes tombés malades. Et la question que vous vous posez, est-ce que je pourrais composer? Je n'ai pas terminé le cours. Je te dis au nom de Jésus, tu auras ton examen. Tu auras ton examen. Tu auras ton examen au nom de Jésus. Sa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh. Je vois des personnes en ligne qui sont en train de pleurer. Qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont des concours à passer. Il y en a qui ont déjà passé des concours et qui attendent des résultats. Je te le déclare au nom de Jésus. Je te le déclare au nom de Jésus. Je te le déclare au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Yeah. Que tu as ton examen. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Alléluia. Jésus. Au nom hey. De Jésus. Shabababababa. Shabababababa. Oh, la faveur de Dieu est descendue. J'ai dit la faveur de Dieu est descendue. Que tu le veuilles ou pas, la faveur de Dieu est descendue. Nous allons faire une messe spéciale pour les examens. Après, pour faire une messe d'action de grâce, parce que je vois beaucoup de réussites. Je vois beaucoup de réussites. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Lora kabaya sengelela. La randa yasi kini randa la baba. Oh, il a dit un mot. Il a. Son nom, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, il a dit un mot. Et aujourd'hui, je ne sais pas où que tu vas aller. Je ne sais pas quel concours tu vas passer, ma soeur. Tu reviendras ici en ce lieu. Tu vas témoigner de la puissance, des merveilles de mon Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Oh. Oh. Il est en train de dire un mot. Dis un mot dans ma vie. Jésus. Dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Tu as peur. Élève le cantique, s'il te plaît. Qui a commencé les cours et là où je suis en train de parler, tu n'as pas terminé l'école
et tu comptes passer ton examen en candidat libre. Tu vas partir. Tu vas partir. Je disais tout à l'heure, il y a une personne qui n'a pas terminé l'école. Et tu as dit, tu vas aller en candidat libre. Tu vas aller essayer en candidat libre. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de voir comment et où vers qui aller. La main de Dieu vient de descendre sur toi. La main de Dieu vient de descendre sur toi. Il y a une autre personne qui a fait le coup du soir. Tu dois aussi passer en candidat libre. La main de Dieu t'a localisé. Oh, aidez-les. Sakadaro Shanta Baba Baba Baba. Ruba Kidiri Baba Baba Baba. Ici, tu ne vis plus avec tes parents, tu es venu pour les études et tu dois retourner, mais il y a une condition. La condition, c'est que c'est ton père qui te l'a dit. Pour que tu reviennes vers tes parents, il faut que tu aies l'examen, sinon tu vas rester à Dakar. Sinon, tu resteras à Dakar. Mon frère. Oh. Lève la main. Lève la main. Si c'est de toi qu'il s'agit, je ne sais pas où que tu es. Mais ton père t'a dit, tant que tu n'auras pas l'examen, tu ne reviendras pas. Lève la main. Reçois. 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 Reste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, la faveur de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Il y a des élèves qui ont des bracelets, qui ont des gris-gris sur eux. Amenez-les. Les gris-gris, les lames d'Yola, tout ça, il faut les enlever. Il y a des musulmans parmi nous aussi. Vous pouvez avancer, on va prier pour vous. Tu as des gris-gris? Ils ont prié pour toi? Ils ont prié pour toi. Tu vas partir vers tes parents. Tu vas avoir ton examen. Et tu iras vers tes parents. Ce n'est pas pour ton mal. Mais Dieu te l'accorde la grâce maintenant. Au nom de Jésus. 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 Jésus. Il a ta vie sous contrôle, il prend soin de toi.
sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Ma soeur, l'examen que tu vas passer, tes parents veulent t'envoyer en Europe après ton baccalauréat et tu commences à avoir peur. Est-ce que cela sera possible? Je viens te dire, je viens de la part du Seigneur. Il dit ta vie est sous contrôle. Ta vie est sous contrôle. Alléluia. Tu auras ton examen. Tu auras le visa. Et tu partiras en Europe pour étudier. Je te l'annonce ce matin au nom de Jésus. Contrôle, au nom de Jésus. Il prend soin de toi. Hey! Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il a ta vie sous contrôle. Pendant qu'on est en train de prier, je vois une université à Marseille. Je vois Marseille. Une grande école à Marseille. Une grande école à Lyon. Je vois ces universités. Les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Pour vous accueillir. Pour vous accueillir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sakara baba baba. Le rabada yaba o sandara baba baba. J'aimerais parler à des parents ici. J'aimerais parler à des parents. Après les examens, avant de déposer les visas, pour la demande de visa de vos enfants, trois messes. Une messe d'action de grâce. Une messe de protection. Une messe pour le bon déroulement de ses études. Messe d'action de grâce, une messe de protection, une messe pour le bon déroulement de ses études à l'étranger. Au nom de Jésus-Christ, vous le recevez, la grâce descend maintenant. Au nom de Jésus. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Yes, 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 yes. Il n'a jamais été surpris par un événement. Car il est celui qui voit la fin. Il est celui avant même la commencement. Il n'a jamais été surpris. Le Dieu de ma providence. Oh, oh, il est celui qui voit. Il est celui qui voit la fin. Avant même le commencement. Avant le commencement. Déclare, déclare, il est. Il n'a jamais été surpris. C'est le Dieu de ta providence. Il est venu celui qui voit la fin avant le commencement.
contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Lève la main, lève la main. Il veille sur toi. Lève la main, lève la main. Il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Déclare qu'il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin il de toi. Prend soin de toi. Il veille sur ta il vie. Il veille sur toi. Déclare qu'il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Proclame-le. Il prend soin de toi. Déclare-le. Il veille sur toi. Décrète qu'il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de ta vie. Il prend soin de toi. Il veille sur ta vie. Il veille sur toi. Déclare qu'il a ta vie sous contrôle. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Comment s'appelle son nom, Jésus? C'est le nom qui libère. Jésus. C'est le nom qui va t'obtenir le visa. Jésus. Il va trouver une école qui va te prendre. Jésus. C'est le nom qui ouvre les portes. Jésus. Les portes de la réussite. Jésus. Décompter ton voyage. Jésus. Il va baliser le chemin. Jésus. C'est le nom qui peut t'obtenir le visa. Jésus. Il peut t'accorder la réussite. Jésus. Le nom qui peut baliser le chemin. Jésus. Si Jésus, Jésus, je qui sauve, Jésus, je qui relève, Jésus, je qui raffermit, Jésus, je qui rétablit, Jésus. Jésus, c'est le Dieu de la sagesse. Jésus, et Fata, il ouvre ton intelligence. Jésus, et Fata, il ouvre ton intelligence. Jésus, et Fata, il ouvre ton intelligence. Jésus. Appelle ce nom si glorieux. Jésus. Ce nom si glorieux. Jésus. Ce nom si glorieux. Jésus. Oui, Jésus. Jésus. Non puissant. Le nom puissant, Jésus, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos projets, nous te donnons nos vies. Je vois des noms qui défilent, mais j'attendrai après. Et je vais appeler ces personnes. Je vois des noms qui défilent. Soyons dans la prière, soyons dans la prière. C'est la délivrance.
Soyons dans la prière, soyons dans la prière. Soyons dans la prière. Prions pour les élèves, prions pour les élèves. Prions pour les élèves. Prions pour les étudiants. Prions pour ceux qui doivent passer les concours. Prions pour eux, prions. Prions, prions s'il te plaît. Oui, Seigneur, ouvre les portes de la réussite. Prions pour eux, prions pour eux. Ouvre les portes de la passion. Ô Jésus-Christ de Nazareth, prions. Nous confions en tout ce qui je t'entends pas prier. Prie pour les élèves, prie pour les élèves, prie pour les étudiants. Que prennent, Seigneur, puissent rester dans leur mémoire. Seigneur, révèle-leur, Seigneur, ce qu'ils doivent faire. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, prie, de réviser. Donne-leur la grâce, Seigneur, de réussir. Que les portes de la réussite tu as fait un entretien, c'est un concours. Seigneur, prie. Donne la grâce. Seigneur, donne tu veux réussir à cet entretien, c'est un concours. Prie. Sakadabada robo sakaria baos. Libra sande gerebo sandara baba 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 de ces candidats, ô Seigneur, donne-lui la restauration, donne-leur la provision, ô Seigneur, la victoire, demande la victoire pour tes enfants, ceux qui ne sont pas là, ces enfants pour qu'ils reçoivent des prix, demande à Dieu de les prix, ils viennent devant ton trône, que c'est toi, Seigneur, qui as agi dans ma vie, que c'est toi qui m'as donné ce succès, que c'est toi qui m'as donné l'examen, que c'est toi qui m'as donné le travail, que c'est toi qui as veillé sur ma vie tout au long de ma jeunesse. Ô Jésus, tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Korabashé kede baba 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 baba. Ô, tu es le maître par excellence. Le Dieu par excellence. Prie le Dieu Père. Et ton peuple. Prie le Dieu Fils. Se doit d'être prie le Dieu excellent. Ô éternel Dieu Tout-Puissant. Visite par le ministère des anges. Visite par le ministère des saints. Visite par le ministère de ton esprit de sainteté dans la vie de tes enfants. La prochaine de cette église. Seigneur, visite tous les élèves, les candidats. Donne l'intelligence. Seigneur, ouvre la grâce. Donne la grâce. Ouvre les portes. Yegede basko rakatara baba 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 kendehanda raba sheke de baba 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 visite et fais du bien. Est-ce que tu peux acclamer maintenant le Seigneur? J'ai dit est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. On va prendre une louange. On va prendre une louange rapidement. Une louange. On s'élève pour louer le Seigneur, on s'élève pour louer le Seigneur. On s'élève pour louer. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Louez le Seigneur. Avec des acclamations pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer toute Jésus? La gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire. Toute la gloire et tout le pouvoir. À celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire, toute la gloire et tout le pouvoir. À celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire, toute la gloire et tout le pouvoir. Et tout le pouvoir à celui qui est. À celui qui est sur le trône. Toute la gloire, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône.
Jésus soit loué. Dans la vérité. Que 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 Jésus soit acclamé. 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 Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Dans la vérité. Que Jésus soit élevé. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Alors maintenant, nous allons prier pour les cas de guérison. Ceux qui sont venus ici pour raison de santé. Les gens qui sont venus ici, nous avons dit que 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 nous allons prendre le cantique. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous allons élever les mains vers le Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Élevez les mains vers, vers toi. Que toute l'assemblée lève les mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Par là, Jésus. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Vers toi. Sois le roi de gloire. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, vers toi, vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi. Vers toi, car tu es Dieu.
Et le regard fixé sur Jésus. Et le regard fixé sur Jésus. Parle à Jésus, dis-lui de te guérir. Avant que Richard n'attaque, on a dit qu'on a fait un fébar. Donc, on a dit que c'est toi qui a fait un fébar. On a dit qu'on a fait un fébar. Si on a fait un fébar, on a fait un fébar. On a fait un fébar. On a fait un fébar. Mettez la main droite là où vous avez mal. Il y a une vague de guérison qui descend en notre assemblée ce matin. Nous voyons cette vague d'onction de guérison du côté droit de notre assemblée vers le côté gauche de notre assemblée. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de personnes, en particulier cette jeune femme qui vers 19h un jour, il y a eu comme quelque chose qui est tombé sur ton dos, mais avec une force particulière. C'est un caïcédra spirituel qui a été projeté contre toi par les sorciers. Mais aujourd'hui, tu te trouves du côté gauche. Je vois le caïcédra spirituel qui a explosé.
Et le Seigneur a guéri ton dos et tes bassins, et ton bassin, tes côtés, je veux dire. Tu te trouves quelque part là. Cette dame, elle ne tiendra pas. La puissance de Jésus est sur elle. Jésus, tenez-la s'il vous plaît. Jésus la guérit maintenant. Jésus la guérit. Il y a une jeune dame sur qui un sort a été jeté. Une morsure spirituelle. Elle se trouve quelque part ici, une jeune dame. Elle ne pourra pas tenir là où elle est. La puissance de Jésus va tomber sur elle. Elle est en train d'être délivrée de ce sort-là. Elle se trouve quelque part ici. Là où elle se tient, elle ne pourra pas tenir. Elle serait obligée de se déplacer. La puissance de Dieu est sur elle. Son cœur est en train de battre fortement. La jeune dame est ici. La puissance de Dieu tombe sur elle. Seigneur, nous te bénissons pour elle. Nous te bénissons pour ces personnes que tu guéris. Merci pour cette jeune dame qui s'avance. Un sort est dans ses bras. La puissance de Dieu est en train de la délivrer de ce sort. Il y a une autre qui est sous la tente. Son bras gauche est atteint par un sort. La puissance de Jésus est en train de toucher cette jeune dame. Là où elle se tient, elle ne tiendra pas. Elle sera obligée de s'avancer, de s'approcher. Le bras est touché par le Seigneur. Le Seigneur est en train de briser ce sort qui a atteint ton bras. Le Seigneur te guérit. Il guérit ce bras maintenant. Cette jeune dame est à l'extérieur, du côté droit sous la tente. Le Seigneur est en train de la visiter. Alors nous attendons, Seigneur, que tu envoies cette jeune dame. Là où elle se tient, elle ne tiendra pas. Il y a une autre qui est concernée par le même cas, Seigneur. Tu es en train de toucher cette même personne. Seigneur Jésus, c'est d'eux que tu touches. Leur bras est en train de guérir maintenant. Leur bras gauche. Et là où elles sont, elles ne tiendront pas. Tu vas les amener jusque-là, Seigneur. Nous te prions, Jésus, de les amener jusqu'ici. La puissance de Jésus est sur toi également, qui est à l'extérieur à gauche. La puissance de Jésus tombe sur toi. Et Jésus est en train de te toucher. Voilà, laissez. Jésus la touche pour la guérir. Jésus te touche à l'extérieur. Ma sœur, tu es malade. Tu as une maladie incurable. Tu portes un jean là où tu es assise. Tu es à l'extérieur du côté gauche. La puissance de Jésus va t'attirer jusque-là. Tu vas quitter le lieu où tu es pour venir jusque-là. Tu as précisément mal au dos et au bassin. La puissance de Jésus te visite maintenant. Et sa force va t'amener jusqu'ici auprès de nous. Jésus te visite maintenant. Jésus visite ta vie. Jésus visite ta vie. Cette jeune dame, elle porte un pantalon jean de couleur bleue. La puissance de Jésus est sur elle. Jésus la touche là où elle est. Seigneur Jésus, amène-la. Et cet homme qui a des problèmes, voilà, amenez-la, Alex, retournez-la. La jeune fille va venir jusqu'ici. Jésus va l'amener jusqu'ici. Jésus va l'amener jusqu'ici. Elle va venir jusque-là, voilà. Elle est là, elle reçoit la guérison maintenant. Alors Jésus, notre Seigneur, n'applaudissez pas. S'il vous plaît, demeurons dans la prière. C'est notre intimité avec Jésus qui fait que Jésus va continuer à agir. Restons dans cette intimité. Alors Jésus va toucher d'autres personnes. Au milieu de cette assemblée, je vois sa puissance de guérison qui tombait sur ce monsieur. Tu es à l'extérieur de l'assemblée. Tu as mal aux deux jambes. Tes genoux sont comme paralysés. Tes jambes sont affaiblies. Alors nous te prions, monsieur, lève-toi et marche. Tu es à l'extérieur. Notre Seigneur Jésus te donne la guérison. Tu peux te lever maintenant et marcher. Lève-toi et marche, monsieur. Tu n'as pas de béquille là où tu es, mais tes jambes sont affaiblies. Jésus, notre Seigneur,
t'accorde la guérison maintenant. Lève-toi. Lève-toi, monsieur. Nous te voyons, tu es à l'extérieur du côté gauche. Tu es un peu corpulent. Lève-toi et marche. Tes genoux sont affaiblis. Tes chevilles affaiblies. Lève-toi, marche. Viens jusqu'à l'autel. Jésus te guérit, mon frère. Jésus te guérit. Jésus guérit cet homme. Qu'il se lève et qu'il marche. Seigneur Jésus, nous attendons cet homme que tu guéris. Il se trouve à l'extérieur. Donne-lui la guérison. Donne-lui de se lever et de marcher, Jésus. Nous t'en prions. Que cet homme se lève et qu'il marche. Et qu'il vienne jusqu'à l'autel. La puissance de Jésus le guérit. Jésus le touche maintenant et lui accorde la guérison. Alors nous attendons ce monsieur qui est du côté gauche. Nous t'attendons. La puissance de Jésus te guérit. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour toutes ces grâces de guérison que tu donnes. Cette jeune fille de 24 ans, voilà cet homme est là. Qu'il s'avance cet homme. Qu'il s'avance parce que ses reins, son genou guéri, monsieur. Son genou guéri. Merci à Jésus qui guérit cet homme. Les pères vont prier tout à l'heure pour lui. Voilà, monsieur, vous avez souvent mal. Approchez, monsieur. Approchez. Approchez. Le Seigneur me montre votre bassin, vos reins qui font souvent mal. Vous avez beaucoup mal aux reins, n'est-ce pas, monsieur? Si vous êtes d'accord avec moi, vous levez la main. Levez la main, merci. Jésus vous guérit. Et vous sentez que vos jambes sont en train d'être affermies maintenant. Vous sentez que vos chevilles sont affermies et vous avez senti que vos genoux sont affermis. Si c'est le cas, levez la main. Merci. Alors le Seigneur vous guérit. Il y a une vague de guérison, nous allons prier dans la paix. Le Seigneur manifeste sa grâce de guérison. Nous lui disons merci pour ce qu'il fait. Le Seigneur guérit cette jeune fille qui a mal au ventre de ce côté-là, de 24 ans. Jésus guérit ton ventre. Et durant le temps de la prière, nous avons vu Jésus guérir une dame qui est à l'extérieur, de 64 ans. Un de tes yeux ne voit pas bien. Le Seigneur, dans sa bonté, vient guérir cet œil-là. La puissance de Jésus passe. Et chacun continue de prier. Parce que Jésus donne beaucoup de guérison aujourd'hui. Jésus donne beaucoup de guérison. Et le mal est en train de partir du corps de plusieurs personnes. Cette jeune dame de 32 ans, quelque part ici, qui reçoit son mal, est un mal de bassin. Elle porte un vêtement blanc. La puissance de Jésus la guérit. Elle est quelque part là, la puissance de Jésus est sur elle. Et il y a une autre jeune dame qui se trouve ici. Nous voyons que tu as 38 ans. Tu as souvent mal à la poitrine. Tu as mal aussi au ventre. La puissance de Jésus te guérit. Et il y a un jeune homme de 14 ans. Il est quelque part à l'extérieur. La puissance de Jésus est sur elle, sur lui. Jésus guérit tes jambes, mon frère. Jésus est en train de te toucher. Et aujourd'hui, il guérit ta jambe. Cette jeune dame que nous voyons, que depuis 8 ans, tu as mal au ventre. La puissance de Jésus, tu te trouves quelque part ici. La puissance de Jésus te rejoint maintenant et Jésus te guérit. Cet homme à l'extérieur qui porte un gris-gris, qui ne s'est pas défait de ce gris-gris, tu as mal au bassin et ça prend également la colonne, le dos, vers le bas du dos. Le Seigneur t'accorde aujourd'hui, monsieur, la guérison. Toi aussi, tu es corpulent, tu es à l'extérieur. Le Seigneur te guérit. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes à qui tu accordes aujourd'hui la grâce de la guérison. Je vois cette douleur, cet homme-là qui a le cancer. Et le cancer a commencé à atteindre ta jambe gauche. La puissance de Jésus vient te visiter et Jésus commence à t'accorder la guérison. Nous disons à Jésus vraiment merci, lui qui te touche pour te guérir. Tout à l'heure, nous avons vu l'archange Michel qui passe aujourd'hui à notre assemblée. Nous le voyons aux États-Unis, dans plusieurs pays. Jésus, nous le voyons en France également. Jésus passe avec son ange, bien sûr, l'archange Michel.
l'archange Michel passe particulièrement. Là où vous êtes, nous avons vu qu'il y a certains qui vont vomir, qui vont être touchés par Jésus particulièrement. L'archange Michel va intervenir pour que tout ce qui est en vous soit expulsé. Il y a 9 personnes au milieu de nous. Souvent, vous avez mal à la gorge. La puissance de Jésus vous accorde la guérison. La puissance de Jésus vous guérit. Il guérit cette gorge. Et il y a une jeune fille qui se trouve à droite ici. La puissance de Dieu la visite. Elle fait partie de ceux qui ont mal à la gorge. Elle ne pourrait pas tenir. La puissance de Jésus est sur elle. Elle se trouve quelque part ici, dans les premières rangées. Il faut suivre et l'aider. La puissance de Jésus est sur elle. Elle se trouve ici, dans les 8 premières rangées. La puissance de Jésus est sur elle. L'onction de Dieu fonce sur elle. Aidez-la, s'il vous plaît. Aidez-la, s'il vous plaît. L'onction de Dieu fonce sur elle. Jésus est en train de la guérir. Je vois maintenant une grande vague de guérison. Cette assemblée est sous les ailes de Jésus. Je vois Jésus qui passe sous ses ailes. Il plane sur cette assemblée. Et nous voyons que la guérison est donnée. Plusieurs vont reposer dans l'esprit. Plusieurs vont fondre en larmes. Plusieurs vont pleurer. Jésus passe maintenant. Il passe devant cette assemblée. Il plane sur cette assemblée. Toi qui as mal au cœur, depuis maintenant 2 années, tu es quelque part ici, la puissance de Jésus te guérit. Jésus guérit des cœurs. Des cris vont sortir de plusieurs, de la gauche de l'assemblée, vers le centre de notre assemblée. Jésus est en train de guérir des cœurs maintenant. C'est des cœurs physiques qui reçoivent la guérison. Sous la tente à gauche, il y a des personnes qui ne tiendront pas. Elles vont tomber, elles vont crier. La puissance de Jésus passe. Jésus passe pour guérir. Il passe maintenant pour faire du bien. Il passe pour guérir ces personnes. Nous allons prendre le cantique. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire. Chantons, Jésus va continuer à passer. Élevons nos mains. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes la guérison. Encore, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice. Lève les mains, toute l'assemblée, chantons Jésus. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le soleil de la justice. Seigneur des Seigneurs,
de la justice. Sous tes ailes et la guérison. Élève les mains vers le ciel. Le ciel est ouvert maintenant. Il y a une vague particulière de grâce qui descend à notre assemblée. Certaines personnes vont quitter leur place et venir devant Jésus. Elles vont quitter leur place. Cette onction va te surprendre. Il y a des guérisons. Plusieurs sont guéris maintenant. À l'instant même, la maladie a disparu maintenant. Vous pourriez donner votre témoignage. Elle a disparu maintenant. Maintenant. Le Seigneur guérit cet homme qui a souvent mal à la tête. Cet homme de 38 ans, mal à la tête. Une chaleur s'empare de ton épaule, du côté droit de ton épaule. La puissance de Jésus t'accorde la guérison. Jésus guérit plusieurs personnes. Il y en a qui vont vomir également. Jésus vous guérit. Monsieur, écoute-moi bien. Tu es paralysé du côté gauche. Tu peux maintenant te lever, monsieur, et marcher. Depuis la messe, le Seigneur révèle cela. Là où tu es, lève-toi et marche, monsieur. C'est ton bras gauche, ta jambe gauche, paralysée. À cause de l'AVC, lève-toi maintenant et marche. Tu viendras jusqu'au niveau de l'autel ici. Alors des maladies sont parties. Des maladies incurables sont parties. Tu sens ton cœur qui palpite. Jésus va continuer à passer. Certains ne tiendront pas. Du côté gauche devant moi, Jésus te visite. Jésus, toutes ces personnes que tu as appelées à l'autel maintenant, je te prie de faire venir ces personnes. Fais-les venir ici, Seigneur Jésus. Voilà, tu as ta place, mais Jésus t'appelle ici. Tu peux t'approcher. Tu ne pourras pas rester là où tu es. Jésus t'appelle à venir ici. Il va t'attirer jusqu'ici. Voilà. Tu vas être poussé par sa grâce. Merci Seigneur. Aidez-la s'il vous plaît, qu'elle ne monte pas. Qu'elle ne monte pas à l'autel. Seigneur, je t'en prie. Ce n'est pas la seule. Il y a d'autres que tu envoies ici, Jésus. Tu les envoies, garde-les dans la paix. Garde-les dans la paix. Ce monsieur qui a également mal au côté gauche de son corps. Le voile de maladie qui recouvrait ton corps est déchiré par Jésus. Tu es du côté droit de l'assemblée. Notre Seigneur Jésus te guérit. Il te guérit maintenant. Alors plusieurs vont fondre en larmes. J'entends des cris spirituels. Là où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir tenir. Ça va être des cris. Et certains d'entre vous vont être propulsés jusqu'ici. Ça va être des cris. J'envoie par la grâce de Jésus à gauche de notre assemblée. À l'extérieur de notre assemblée. Le Seigneur va vous attirer jusqu'ici. Jésus vous attire jusqu'ici. Jésus vous attire. Jésus vous attire jusqu'ici. Il vous appelle. Il vous attire jusqu'ici. Beaucoup de guérisons, beaucoup de guérisons. Des nœuds, des liens de guérison, des liens de maladie sont brisés par Jésus aujourd'hui. Au niveau des bassins, Jésus guérit. Jésus guérit. Ces personnes vont être propulsées par Jésus ici. Il y a une vague puissante de guérison. À gauche de l'assemblée, Jésus guérit des personnes. Jésus, tu les guéris aujourd'hui. Tu leur fais du bien. Ce n'est pas fini. Là où vous avez été retenus, assises à votre place, Jésus brise le joug maintenant. Elle vous appelle ici. Vous êtes plusieurs. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Jésus vous appelle ici. Ici, il vous appelle devant l'autel. Ce joug qui vous retenait est brisé. Jésus vous attire jusqu'ici.
Il vous attire. Sa puissance est là. 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 Il y en a qui sont du côté gauche là-bas. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Ce n'est pas fini. Jésus vous appelle. Sa puissance est là. Il tombe à gauche de l'assemblée, son onction. À droite de l'assemblée. Sa puissance est là. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle, c'est pas fini. Alors Jésus vous appelle jusqu'ici. Il vous attire. Sa puissance est là. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Il vous guérit. Madame, ton papa est malade. Tu te trouves à l'extérieur du côté gauche. Tu es beaucoup inquiète pour ton papa. Mais Jésus, Jésus guérit ton papa. Jésus guérit ton papa, ma soeur. Jésus guérit ton papa. Jésus fait du bien à Célestine. Célestine, tu es quelque part du côté droit de notre assemblée. Devant l'autel du côté droit, à l'extérieur, la puissance de Jésus te visite, Célestine. Il y a une sœur qui a le goitre, qui se trouve du côté gauche de l'assemblée. Jésus te guérit. Des maladies disparaissent maintenant. Des jambes, Jésus notre Seigneur guérit des jambes. Alors nous te prions, toi qui as mal aux jambes, tu peux te lever et marcher. Parce que Jésus guérit des jambes. Plusieurs maladies ont disparu. Vous pourriez donner ce témoignage quand vous le voudrez. Le mal est parti. C'est parti maintenant. Jésus t'a guéri. Monsieur, toi qui as une douleur cervicale, tu te trouves du côté gauche. Ça veut dire que tu as mal au cou. Pour tourner le cou, etc. Jésus te guérit. Cette femme également, de 38 ans, tu te trouves devant nous. Tu as mal à la poitrine, au corps, tout le temps. Tu es au centre de cette assemblée. La puissance de Jésus est sur toi. Jésus, Jésus te guérit. Je vois Jésus qui a soufflé sur cette assemblée. Des maladies incurables disparaissent. Jésus guérit miraculeusement maintenant. Son souffle te guérit miraculeusement. Toi également, qui as 24 ans, ma soeur, qui as mal au dos, du côté droit, la puissance de Jésus te guérit. Alors, s'il y a mes frères qui voudraient prophétiser, Abbé Raphaël, Abbé Henri, si notre frère Mathieu, le Père voudrait prophétiser, vous pouvez vous approcher et prophétiser. Il y a un feu qui s'empare de plusieurs. Vraiment, Jésus est à l'œuvre. Mais l'amour du Père, je vois le Père de Jésus debout. Le Père de Jésus debout. Et il vient jusqu'à toi. Le Père de Jésus te donne la guérison, Philomène. Tu es dans cette assemblée. Tu as mal souvent au cœur physique. J'ai vu le Père de Jésus poser sa main sur ton cœur maintenant. Ton cœur guérit. Ton cœur guérit. Alors toutes ces personnes qui sont en train d'être guéries par le Seigneur. Toutes ces personnes qui sont en train d'être guéries par le Seigneur. Nous disons merci. Seigneur, ce jeune homme de 18 ans, que vas-tu faire de son bassin? Il est à l'extérieur là-bas. Guéris-le, Jésus, je t'en prie. Cette jeune fille de 27 ans, à qui on a envoyé un sort, regarde-la, elle est liée, elle est quelque part ici. Elle a souvent mal à la poitrine. Jésus, je te prie de la distinguer. Elle est quelque part ici. Tu n'envoies pas ton onction, mais je te demande que ton onction tombe sur elle pour qu'on la voie. Que ton onction tombe sur elle. Je te le demande, Jésus. Que ton onction tombe sur elle. Merci. C'est elle, Jésus l'a guérie. Jésus, cette jeune fille de 32 ans, tu la vois sous la bâche. Elle est souvent malade. Elle est souvent malade. Il y a une autre de 33 ans qui a mal au ventre. Jésus, tu réveilles ta miséricorde et tu la guéris. Cette fille de 35 ans à l'extérieur là-bas, Jésus,
tu les guéris. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Que ta puissance descende sur ces personnes. Jésus, aujourd'hui, tu veux donner des guérisons miraculeuses. Regarde cette jeune fille qui a mal au ventre. Regarde-la, Jésus. Elle a toujours mal au ventre. Regarde-la, Jésus. Tu lui donnes aujourd'hui le miracle. Elle a tout fait. Elle a pris toutes sortes de traitements. Mais aujourd'hui, Jésus, tu l'as guérie. Il faut l'aider. La puissance de Jésus est sur elle. Il faut l'aider. Jésus l'a guérie. Jésus te guérit. Jésus te fait du bien. Jésus, regarde cet homme à l'extérieur, toujours mal au dos. Jésus fait quelque chose. Donne-lui. Donne-lui la guérison. Elle est à l'extérieur. Jésus, guérit-les. Regarde ces personnes qui ont du mal à marcher. Regarde cette femme. Elle est à l'extérieur, à gauche. Elle a du mal à lever le pied pour marcher. Madame, lève le pied maintenant. Tu es à l'extérieur, madame. Lève-toi là où tu es. Lève le pied et marche. Jésus te guérit. Cet homme de 43 ans, nous allons baisser, s'il vous plaît. Cet homme de 43 ans, je te trouve quelque part à l'extérieur. Ta tête a été enserrée quelque part dans la maladie, jusqu'au niveau du cou. C'est toute ta tête qui te fait mal. Jésus t'accorde la guérison. De même que cette jeune dame de 43 ans, ton estomac reçoit de Jésus la guérison. N'oublie pas cet homme de 52 ans. Jésus, donne-lui la guérison. Jésus, toutes ces personnes que tu guéris. Et cette dame qui te dit, et elle ne dort pas bien la nuit, Jésus. Tu l'as vu, cette dame d'une trentaine d'années. Elle est encagée. Jésus, guéris-la. Elle est quelque part ici. Guéris-la, nous t'en prions. Nous t'en prions. Nous donnons la parole au Père. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Louange après prochaine intercession. Les guéris de Nyanal, Nyan Biji Top, Nyanal. Moi, je veux que tu te dises que tu es un peu de temps. C'est ce que tu as. Tu as dit que le djinné est venu à toi. Seitan. Farou Rab. Goudi. Wara Jabarou Rab. Tu as dit que tu es un peu de temps. Tu as dit que tu es un hamba de temps. Tu as dit que tu es école peu de temps. Tu as dit que tu es un peu de temps. Tu as dit que tu es Seitan. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, ne m'abandonne jamais. Ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, m'a délivré, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Ton sang à l'éternel, mais ta confiance en lui, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira, il agira,
autorité. Tu veux, tu veux pas. Avec son autorité. Que tu l'acceptes ou non. Avec son autorité. C'est Jésus qui règne. Avec son autorité. Tu veux pas. Avec son autorité. Que tu l'acceptes ou non. Avec son autorité. Jésus qui règne. Avec son autorité. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cette puissance. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, pour ta gloire. Seigneur, merci pour cette puissance que tu es en train de répandre sur notre assemblée de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, toi le roi de gloire. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le prince de la vie. Seigneur, c'est toi qui fermes les portes de malédiction dans nos vies. C'est toi qui ouvres les portes de bénédiction. C'est toi qui nous libères par ton sang précieux. Seigneur, c'est toi qui nous donnes ta gloire, ta seigneurie, ta puissance, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est toi qui vainques notre Goliath, Seigneur. Notre homme fort est brisé par ta présence. Seigneur, c'est toi qui nous revêt de gloire, de majesté et de puissance. Seigneur, nous voulons chanter ta seigneurie. Nous voulons chanter ta puissante gloire, ta victoire, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, nous voulons chanter l'œuvre de la croix. Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur, ta victoire, Seigneur, sur nos malédictions, nos oppressions, nos obsessions. Seigneur, ta victoire sur les vexations. Seigneur, nous clamons ta victoire sur la sorcellerie, Seigneur. Nous clamons ta victoire sur les malédictions, Jésus. Adoration à toi, Jésus. Honneur au roi des rois, au prince de la vie, au Seigneur des seigneurs. Gloire à ton nom. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au moment où tu vas parler à ceux qui te fatiguent. Parce que le Seigneur te donne l'autorité. Tout à l'heure, tu as chanté, Jésus, il a autorité. Oui, il a autorité. Mais cette autorité, Jésus te l'a donnée. Voilà pourquoi je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Tu vas regarder Jésus. Ceux et celles qui sont dehors, vous avez le Saint-Sacrement devant vous. Tu regardes Jésus et tu confesses son nom dans ton cœur d'abord. Je veux que tu confesses son nom. Jésus a l'autorité, mais il t'a donné cette autorité par le baptême. Et donc aujourd'hui, ne crois pas que la chose viendra de moi, mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que tu dois regarder. La délivrance, la libération, ce qui te fatigue, si tu regardes Jésus et tu confesses son nom, ça va partir. Ce n'est pas moi qui fais sortir cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi. C'est pas moi. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Alléluia. Regarde Jésus. Dans ton cœur, commence à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Saint Paul dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Confesse. Le nom de Jésus vous a sauvé. Dengue yene sengum ci Yesu Christa. Yesu Christa mo dandeg defara dundugi. Gemal sa xol ne Christa dandeg ci croaga te defara na dundubi. Confesse. Confesse. La puissance est déjà là. Mais la puissance a bossé dans ton cœur. La puissance est déjà là. La puissance a besoin de ta confession. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse la puissance te touche. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, la puissance quitte l'ensemble, quitte l'hôtel et te touche là où tu es. Confesse le nom de Jésus. Regarde Jésus
Seigneur, dis-lui dans ton cœur, Seigneur, je confesse que tu es Seigneur et que tu es la domination sur toutes choses visibles et invisibles. Le Seigneur a la domination. Il domine. Seigneur, ta domination dure toujours. Ta domination est sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Seigneur, ta domination s'exerce dans notre assemblée, Seigneur, ce matin. Ta domination contre les puissances démoniaques, Jésus. Ta domination, Jésus. Confesse le nom de Jésus. Reste dans la prière. Même si tu ne tombes pas, la puissance de Dieu touche. Ce n'est pas question de tomber, mais c'est question d'accueillir Jésus. Ce n'est pas question de tomber. Élève ce cantique avec les chants. Si tu le peux. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu peux chanter, chante ce cantique. Il est sorti du tombeau, vrai vainqueur. Alléluia. Tout genou fléchira. Toute la confessera Jésus, que Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Seigneur, nous clamons que tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Maintenant, je t'invite à répéter après moi. Regarde toujours Jésus et fais attention à sa puissance qui est déjà à l'œuvre. Le Seigneur me fait te dire qu'aujourd'hui, il va déraciner tout ce qui te fatigue. Il va déraciner les puissances démoniaques qui enferme ta vie. Seigneur, commence à déraciner. Confirme ta parole, Jésus. Commence à déraciner, Seigneur, par ta puissance. Déracine les plantations démoniaques de nos vies. Déracine les plantations démoniaques de nos vies. Seigneur Jésus, c'est toi le prince de gloire. C'est toi le victorieux. À la croix, tu as traîné dans un côté triomphal les puissances démoniaques, Seigneur. Tu as vaincu le péché, les conséquences du péché et les puissances infernales par ta croix. Seigneur, demande à l'archange Michel d'exercer la puissance de l'œuvre de la croix dans cette assemblée, que ce soit dans l'église et dehors. Rombe baba sindere kamba baba.
Rope mama kantele mama ba. Rope na ba kantele ba kara mama ba. Rome na ba bar sendere kara mama. Koro popo porob sendere ba kantala mama. Ramire be kora mama mama. Lo ropo lo kora mama. Pa ropo lo kora be sendere mama. Lo rodo lo kara mama. Rete le ba kantala mama. Rome be be kori na mama. Ronda la ba ba kora pana mama. Reme le karo toro ba sendere mama. Roko mama ro sendere mama. Romere baba moro loroko no moro ba sendere baba renele boko randi de moro sendere loroko no moro sendere baba roko rapa baba raso koro mana baba senda koro mana baba lorani na baraso lorama la bakara la rome vele ba sendere baba loro poco tele baba romere baba sura baba ramele baba tele ropa baba merci Seigneur pour ta puissance, pour ta puissance. Maintenant élève ta main droite, sois concentré dans la prière. C'est pas parce que tu tombes, la puissance de Dieu est efficace. La puissance de Dieu est déjà efficace. Bon, regarde Jésus, ne regarde pas ce qui se passe devant toi, regarde Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'accueille ce matin, j'accueille ce matin ta Seigneurie, ta Seigneurie, ta puissance dans ma vie, dans mon cœur et dans toute ma vie. Seigneur Jésus, je fléchis, les genoux de mon cœur, les genoux de mon corps, devant ta majesté. Je confesse ce matin que tu es le Seigneur des vivants et des morts. Seigneur Jésus, je confesse ce matin que tu as vaincu l'enfer, le péché et la mort par la puissance de ton précieux sang. Seigneur Jésus, en union avec mes frères et sœurs, j'appelle une fois de plus la puissance de ton sacrifice dans ma vie. Ce matin, que ton précieux sang crie à ma faveur, crie à ma faveur, crie à ma faveur. Seigneur Jésus, que ton sang parcourt maintenant ma vie, parcourt mon cœur, parcourt mon âme et toute ma famille. Seigneur Jésus, je me place au pied de ta croix, en compagnie de mon ange gardien, accompagné de mon âme, de ma famille. Seigneur Jésus, que ton sang passe dans ma vie, passe dans ma vie, depuis que j'étais dans le ventre de ma mère, jusqu'à présent, que ton sang passe un parcours de guérison, un parcours de libération. Seigneur Jésus, que toute malédiction qui pèse sur ma vie, sur ma famille, soit brisée maintenant par ton sang. Je l'ai prise maintenant par ton sang, par ton sang. Seigneur Jésus, que toute consécration à des divinités, à des hôtels, à la sorcellerie, soit brisée ce matin par le précieux sang de ta croix. Je l'ai prise maintenant. Je les coupe maintenant. Je les coupe maintenant. Seigneur Jésus, que tout vêtement spirituel, que je porte, qui bloque ma vie, soit déchiré maintenant par Saint-Michel Archange. Je le déchire. 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 Seigneur Jésus, à la place
place. Que ton feu, que ton feu parcourt mon corps, parcourt mon corps, parcourt mon corps, parcourt mon, parcourt mon âme, parcourt mon, parcourt mon esprit, parcourt mon esprit. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, maintenant, maintenant, par l'autorité de mon baptême, par l'autorité de mon baptême, et le privilège d'être enfant de Dieu, et le privilège d'être enfant de Dieu, je détrône, je détrône, je détrône, je détrône toute puissance, toute puissance démoniaque, démoniaque dans ma vie, dans ma vie. Je vous détrône, je vous détrône par le nom de Jésus, par le nom, par le de, nom Jésus, de Jésus, au nom de par Jésus, le moyen de son sang, par le moyen de son, par le moyen de son sang, par le moyen de son sang, de son feu, que son feu, de son feu, que ton feu, je vous détrône maintenant, je vous détrône maintenant par l'intercession, par l'intercession de la Vierge Marie, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Joseph, de Saint Michel Archange, de Saint Michel Archange, de mon saint patron, de mon saint patron, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je coupe maintenant, je coupe maintenant tout lien, tout lien qui me lie, qui me lie à des hôtels familiaux, à mes hôtels du côté paternel, du côté paternel comme du côté maternel, comme du côté maternel. Seigneur Jésus, Seigneur je coupe ces chaînes, je coupe ces chaînes, je coupe ces liens, je coupe ces liens au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si mon âme, si mon âme, ma famille, ma famille, ma vie, ma vie a été enfermée, a été enfermée dans un tombeau, dans un tombeau, dans un tombeau, dans un tombeau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je casse le tombeau maintenant, je casse le tombeau, je brise le tombeau maintenant, je brise ce tombeau, je brise le tombeau maintenant, je brise ce tombeau, je brise le tombeau maintenant, je brise ce tombeau, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tout cercueil, que tout cercueil, que tout cercueil, que tout cercueil, là où, là où les sorciers m'ont mis, ainsi que les haïsseurs, ainsi que les haïsseurs, par l'épée de Saint Michel Archange, par l'épée de Saint Michel Archange, je casse le cercueil, je casse, je brise le cercueil, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père de gloire, Père de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute prison, que toute prison, que toute cage, que toute cage, démoniaque, démoniaque, de la sorcellerie, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de l'envoûtement, par l'épée de Saint Michel Archange, par l'épée de Saint Michel Archange, je brise la prison, 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 je brise. Je brise la prison. Je brise la prison. Au nom de Jésus. Au nom de par Jésus. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que tout canarie. Que tout canarie. Que tout canarie. Que tout canarie. Familiaux. Familiaux. Qui a été dressé. Qui a été dressé. Par mes aïeuls. Par mes aïeuls. Mes grands-parents. Mes grands-parents. Mes parents. Mes parents. Ou bien par moi-même. Ou par moi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renverse les canaries. Je renverse. Je les renverse maintenant. Je les renverse maintenant. Et je les casse maintenant, et je les casse maintenant par l'épée de Saint Michel Archange, par l'épée de Saint Michel au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, de Nazareth, Père, que toute malédiction, que toute malédiction, que toute maladie, que toute maladie qui est liée, qui est lié à des esprits, à des esprits, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'esprit qui est derrière ma maladie, l'esprit qui est derrière ma maladie, je le chasse maintenant, je le chasse maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, et maintenant par la puissance de ta guérison, libère-moi de cette maladie, libère-moi de cette maladie, libère-moi de cette maladie, libère-moi de cette, libère-moi de cette maladie, libère-moi, libère-moi de cette maladie, libère-moi de cette, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, si on a caché mon âme, si on a caché mon âme au cœur de la mer, au cœur de la mer, sous un arbre, sous un arbre, Seigneur, Seigneur, j'envoie mon ange gardien, j'envoie mon ange gardien, j'envoie mon ange gardien, j'envoie mon ange gardien, libérez mon âme, libérez mon âme, libérez mon âme, libérez, libérez mon âme, libérez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang et le feu du Saint-Esprit, Père, Père, maintenant, maintenant, je te demande de m'effuser par le feu du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Saisis mon cœur, saisis mon, saisis mon corps, saisis mon corps, saisis mon âme, saisis mon âme, et tout mon être, et tout mon être. Brûle-moi, brûle-moi, brûle-moi. Brûle-moi. Commence à me brûler. Commence à me brûle-moi. 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 Depuis la plante de mes pieds. Depuis la plante de mes pieds. Jusqu'aux cheveux de ma tête. Jusqu'aux cheveux. Brûle-moi, de ma Saint-Esprit. Brûle-moi, Saint-Esprit. Brise les vexations. Brise les vexations, les oppressions, les oppressions, les obsessions, les oppressions, sur moi, sur moi, sur ma famille, sur ma au famille, nom de Jésus, au nom de merci Jésus, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, ora banaba soke na mama, ki robo boro baba sente le batara mama, lora dina baba sote le karama, lora polo korati na mama. Le rata na basora bakana lo roko no boro basete karana ma basora bakana ma
Pour les captifs que tu libères, Jésus. Merci. Pour les captifs que tu libères. Garde le silence et accueille cette puissance qui est libérée. Cette puissance qui est libérée. Cette puissance qui est libérée. Recevez maintenant votre libération au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce fleuve de gloire, de puissance, de libération que tu fais couler dans l'assemblée, Seigneur. Le Seigneur a amené l'assemblée au pied de la croix. Et l'image que le Seigneur me montre, son corps ouvert, les jaillit l'eau et le sang de la délivrance, de la libération. Je t'invite à accueillir les flots du cœur de Jésus. Accueille les flots là où tu es. Ça va te toucher. La puissance qu'ils font sur toi est telle que tu es en train de trembler. La puissance du cœur de Jésus est en train de te toucher. Le cœur de Jésus te libère. Le cœur de Jésus est en train de te libérer. Je vois beaucoup de chaînes qui tombent. Ces chaînes tombent maintenant par la puissance de Dieu. Ces chaînes tombent maintenant au niveau de tes pieds. La puissance de l'onction est en train de rompre les chaînes. L'onction rompt les chaînes maintenant. Que ton feu passe encore. Passe encore. Passe encore. Passe encore. Passe encore. Recevez au nom de Jésus. Recevez cette puissance. Recevez ce feu puissant. Le feu fait trembler ton corps. Parce que le Seigneur est en train d'accomplir la puissance de la libération. Reçois au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur, pour cette puissance. Au niveau de ma gauche, il y a beaucoup de pression au niveau de votre tête, à la bâche, à ma gauche. La puissance du feu du Saint-Esprit passe. Vous avez des migraines en ce moment. L'ange de Dieu passe. Saint-Michel passe. Avec le feu du Saint-Esprit, accompagné de l'épée des séraphins. Brûle, 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 brûle. Brûle-la maintenant. Brûle-la maintenant. Il y a trois personnes. Vous avez les yeux ouverts. C'est une bonne idée. Parce que la forteresse qui est en vous est en train de s'affaiblir par la puissance de Dieu. Saint-Michel Archange, je demande de toucher ces cinq personnes qui ont les yeux ouverts. Que tout puissant tombe fort. Que tout puissant de démon guerrier fléchit genoux devant la croix du Christ maintenant. Je vous convoque à la croix du Christ. Je vous convoque à Golgotha. Je vous convoque à Golgotha. Et je fracasse votre puissance maintenant. Au nom de Jésus. Je casse vos attelages maintenant. Vos contrôles, je les brise. Recevez maintenant la puissance de l'onction du Seigneur dans vos corps et vos âmes. Seigneur, pour ces vexations et ces oppressions au niveau des poitrines, la puissance de Jésus est en train de te libérer au niveau de ta poitrine et de ton dos. Saint-Michel, amène ce feu à toutes ces personnes qui ont des contractions au niveau de leur poitrine. Recevez maintenant la puissance du feu du Saint-Esprit. En ce moment, le signe que je te donne, tu as du mal à respirer. Ne fais pas beaucoup de bruit. Là où tu es, accueille la puissance de Dieu qui se révèle. Accueille, accueille, accueille la puissance de Dieu. L'onction vient sur toi. Et la puissance qui descend, tu ne peux pas te contenir. Parce que la puissance est forte en ce moment. Le Seigneur a ouvert son cœur pour nous aujourd'hui. Reçois ta libération, ta délivrance aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a deux personnes
Vous sentez dans votre corps quelque chose qui marche dans votre corps. Quelque chose qui marche dans votre corps. Comme dans l'œil d'Orsel Yaram. Vous êtes en train de le sentir complètement. Je vous demande maintenant d'acquérir cette puissance qui se révèle maintenant. Et je demande à la puissance de Dieu de briser cette puissance démoniaque dans ton corps. Saint-Michel, touche ces deux personnes particulièrement. Touche ces deux personnes particulièrement. Répands maintenant, Saint-Michel, l'onction du Saint-Esprit dans leur corps. Et commence à briser ce qui marche maintenant dans leur corps. Commence à les démanteler, Saint-Michel. Je demande maintenant à Saint-Raphaël Archange de venir maintenant te libérer de l'esprit d'Asmodée, c'est-à-dire que ça soit un mari de nuit et une femme de nuit. Ceux qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, c'est-à-dire vous rêvez se coucher avec un homme ou bien une femme, vous levez simplement la main là où vous êtes. Levez la main simplement comme ça. Vous rêvez de se coucher avec un homme ou bien une femme, lève la main comme ça. Lève simplement ta main. Quel que soit, tu es dans l'église ou bien dehors, tu lèves simplement ta main. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence angélique. Pour Saint-Michel Archange, Saint-Gabriel Archange, Saint-Raphaël Archange. Saint-Raphaël, je vous demande maintenant, par ordre de Dieu, de te déplacer vers ces personnes qui sont fatiguées par des mariés et des femmes de nuit. Déplace-toi, Saint-Raphaël Archange, dans ces personnes. Déplace-toi. Accueille l'ange Raphaël, il arrive. Déplace-toi, Saint-Raphaël Archange. Et je te demande maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de son sang et de son Esprit Saint, de libérer ces personnes de l'emprise de l'esprit de Marie et de femme de Dieu. Libérez ces personnes. Saint-Raphaël Archange touche ces personnes par l'onction de Dieu. Pose ton épée sur ces personnes. Et vous, esprit, mari et femme de nuit, je prends autorité sur vous au nom de Jésus. Et je vous somme de partir. Vous quittez la vie des enfants de Dieu. Vous quittez la vie des enfants de Dieu. Vous quittez la vie des enfants de Dieu. Je m'oppose à vous avec la puissance du sang de Jésus et du feu du Saint-Esprit. Je vous chasse maintenant. Vous allez dans les lieux arides maintenant, au nom de Jésus. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Vous allez dans les lieux arides maintenant. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous oppose l'onction de Dieu. Dingadem Tay. Dingadem au nom de Jésus. Père. Répands maintenant le feu du Saint-Esprit sur ces personnes qui ont besoin de libération. Répands le feu maintenant. Le feu vous brûle maintenant. Le feu vous brûle maintenant. Recevez le feu maintenant. Recevez maintenant le feu. Au nom de Jésus. Saint-Raphaël, continue ton travail. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Le feu descend. Le feu descend, ça continue. Le feu de l'Esprit Saint descend, il continue. Et nous l'envoyons. Nous l'envoyons brûler. L'esprit immonde qui se cache. L'esprit de Asmodée qui est là. Je te l'ordonne ici, mari de nuit, femme de nuit. Je déclare le divorce. Sors. Maintenant. Tu sors et maintenant. Maintenant, je dis. Maintenant. Maintenant, tu sors. Tu sors. Je déclare le divorce. Et je te retire le pouvoir que tu avais à te manifester à ces êtres, à ces filles, à ces hommes. Va-t'en. 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 Sors. Maintenant. 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 Va-t'en. Maintenant, Jésus t'oblige.
Jésus t'oblige. Jésus t'oblige. Jésus t'oblige. Va-t'en. Jésus t'oblige. Sa mère t'oblige. Les anges t'obligent. Tu es vaincu, tu le sais. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Qui que tu sois, sors et va-t'en. Tu es vaincu, va-t'en. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Va-t'en. Va-t'en. Bougle-le. Bougle-le, bougle-le. Démal. Gawal. Gawal. Gennel, démal, 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 démal. Gawal. Gennel, démal. Damay dal sa kaw le. Damay dal sa kaw. Abando dem, jox ma suma croix. Ken ma soke da batura da bakhata. Que tout ce qui parle en langue parle en langue. Serisoka da bashi. Parlons tous en langue. Parlons tous en langue. Serisoka da bashi. 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 Serisoka da Notre Seigneur, le Saint-Esprit, comme un poussin qui descend en notre assemblée pour écraser la puissance des faux mystiques. Je le vois descendre derrière notre assemblée. Le Saint-Esprit va être très agressif contre les esprits et les personnes qui ont choisi les ténèbres. Il va être très agressif. Il tombe du côté derrière l'assemblée vers le centre. Je le vois légèrement du côté droit de l'église. Il est en train de tomber là. Il va fondre sur ces personnes. Il va détruire des pouvoirs spirituels. Il va détruire des germes qui sont dans la vie de ces personnes. Il descend maintenant, notre Seigneur le Saint-Esprit. Il descend de la droite vers la gauche de l'assemblée. Il va toucher des personnes au centre de notre église ainsi qu'à l'extérieur. Seigneur Esprit Saint, merci de passer et de détruire la puissance de ces faux mystiques. Merci de passer maintenant. Il va descendre à notre assemblée. Il rend maintenant tout pouvoir spirituel sourd, paralysé, aveugle. Il tombe maintenant dans notre assemblée. Et ces personnes ne tiendront pas. Ils tombent à partir de l'arrière de l'assemblée, à partir de l'arrière vers le centre. Vous êtes en train de trembler. Ils s'emparent de vos vies. Vous ne tiendrez pas là où vous êtes. Ces personnes vont être foudroyées par la puissance du Saint-Esprit pour leur conversion. Le Saint-Esprit descend dans la vie de ces personnes. Seigneur Esprit Saint, nous attendons cette vague. Nous ressentons des personnes à l'extérieur qui tremblent, à l'extérieur à gauche. L'Esprit de Dieu est en train de les visiter. Il est en train de les toucher. Mais cette onction commence à tomber déjà ici au centre de notre assemblée. Seigneur Esprit Saint, nous t'attendons. Et tu vois cette résistance, cette personne qui se trouve un peu à gauche vers l'arrière, qui résiste fortement à toi. Elle a beaucoup de liens autour d'elle. Nous te prions, Seigneur Esprit Saint, de descendre sur cette personne. Descends sur cette dame. Nous te prions de détruire ce lien. Descends sur elle. Je la vois par ta grâce clairement à gauche. Descends sur elle, Seigneur Esprit Saint. Nous attendons que tu descendes sur cette personne. Et avec toi, nous appelons ton feu. Que ton feu consume, consume les liens qui lient cette personne maintenant. Elle est quelque part à gauche ici. La puissance du Saint-Esprit tombe sur elle. Elle résiste, mais elle ne tiendra pas parce que c'est ce nœud-là qui bloque l'explosion de l'onction dans l'assemblée. Elle est du côté gauche ici. La puissance du Saint-Esprit est sur elle maintenant.
Seigneur Esprit Saint, tombe sur cette personne. Je te le demande, tombe sur elle. Ce nœud va être brisé. Elle résiste encore, mais je demande au Saint-Esprit de brûler tout cela maintenant. Brûle tout cela, Seigneur Esprit Saint. Brûle et consume tout. Brûle et consume tout. Détruis ce nœud. Détruis tout. Consume tout. Voilà. La personne est vers l'arrière. L'onction est sur elle. J'attends que l'Esprit de Dieu fonde sur elle. J'attends le Saint-Esprit. Elle ne tiendra pas. Elle est vers l'arrière. Cette puissance bloque l'onction, mais ne tiendra pas. L'onction de Dieu est sur elle. Alors Seigneur, montre-nous cette personne. Descends sur elle maintenant. Descends sur elle, Seigneur Esprit Saint. Descends sur elle, Seigneur Esprit Saint. Tombe sur elle maintenant. Je te le demande au nom de Jésus. Tombe sur elle. Nous allons baisser le son pour ne pas crier trop. Voilà. Merci, Seigneur Esprit Saint. Il s'agit d'elle. L'onction brise les chaînes qui la lient maintenant. L'onction casse les chaînes. Voilà. L'onction casse les chaînes maintenant. Alors, Seigneur Esprit Saint, tu brises des pouvoirs. Je te prie maintenant de tomber sur ces personnes sur qui tu brises des pouvoirs. Détruis ces pouvoirs maintenant. Détruis ces pouvoirs, Seigneur Esprit Saint. Détruis ces pouvoirs. Brise ces pouvoirs. Nous crevons avec toi ces yeux spirituels. Nous les crevons. Nous brisons tout pouvoir. Nous renversons tout pouvoir. Nous brisons tout pouvoir. Elles vont vomir ces personnes. Cette onction va tomber sur l'assemblée. Saint-Esprit, fais-toi agressif maintenant. Agresse les ténèbres. Je te le demande. Agresse-les au nom de Jésus. Agresse-les, Saint-Esprit. Tu les agresses. Tu brises leur pouvoir. Tu éventes leur pouvoir. Je te le demande. Brise leur pouvoir. Brise leurs œuvres. Je les convoque à Golgotha. Où qu'ils soient, brise leur pouvoir. Tous ceux qui sont attachés à autre chose, brise leur pouvoir. Alors je te prie, Seigneur Esprit Saint, brise leur pouvoir. Le Seigneur est en train de tomber sur ces personnes. Du côté droit de notre assemblée, du côté gauche, l'Esprit de Dieu agresse les ténèbres. Tu agresses les ténèbres, Seigneur Esprit Saint. Tu les agresses maintenant. Ils vomissent. Tu les agresses. Tu brises leur pouvoir. Qu'aucun n'échappe. Qu'aucun n'échappe, Esprit du Dieu vivant. Qu'aucun n'échappe. Je les convoque à Golgotha. Je porte plainte au nom de Jésus contre leurs œuvres. Tout ennemi visible et invisible. Je dépose cette plainte. Saint-Esprit, devant Jésus-Christ, je dépose cette plainte. Que tout leur pouvoir soit brisé. Qu'ils soient brisés et qu'ils soient désormais inopérants dans le camp des ténèbres. Coupe leur communication. Brise leurs œuvres à jamais. Détruis leur confrérie, Seigneur Esprit Saint. Je t'en prie. L'Esprit Saint va continuer à passer. Merci. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Bala Maïfate, je fais une annonce pour assurer certains. Voilà, Mangi Nyandek Nyubanyambayi. Les mouchoirs à jeter dans l'église. Après la prière dernière, c'était plein, plein. Veillons à ça. Et même dans la cour, s'il vous plaît, les mouchoirs à jeter. Alors, hein? Les sachets d'eau aussi, les sachets d'eau. J'aime les connaître d'aller, Berni Berep. Waouh. Alors, il y a une question qui se pose. Il paraît que l'abbé Pierre Gine est Mouidak, c'est Ali Mouidak, Fanlanen Diobu. Il y a des gens qui disent que ce matin, que c'est étonné, maintenant, il y a des gens qui sont en train de Moi, je vais dire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bala may ñew ñaan yi jinné yi may dak ak seytane yi may dak wajal na len bërepp bé paré suma ko fi daké fala jëm ma koy wax né démal bërepp sangam way ma dak ko ci ki bu dem ci calé ko ligé gi amatul ñëriñ di ko ligé bi amatul ñëriñ donc ça ça ne tient pas la route c'est moi qui les lis pendant dam len di yew soit ma yoné len ci geej ga soit ma yoné len dans un désert ils sont là-bas ils attendent le Seigneur à la fin des temps. Mais ce fait que nous sommes dans le Kéchiki, vous êtes dans le Kéchiki, vous êtes donc ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Dans les langues de Guinée, souvent il y a je m'en vais et je ne reviendrai plus. Je m'en vais et je ne reviendrai plus. C'était comme ça avec Jésus.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Jésus. Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Si tu es là, acclame le Seigneur. Nous allons passer à la prochaine étape de notre prière. Consiste d'abord à donner les informations. Ensuite, passer à la deuxième étape. Paix et joie. La prochaine prière aura lieu le 6 août 2022. Nyan bi dinañ ko anam amal wèr bi bu déwé ba am djuroom ben fan manam le 6 août bu sobe yalla. Paix et joie. La prochaine prière, c'est pour le 6 août. Et profitez en même temps de donner des informations. Les demandes de messe en ligne. Ceux qui appellent sur le numéro qu'on a donné pour demander les messes en ligne. Les demandes de messe se font dès à présent jusqu'au 6. C'est-à-dire le 5, vendredi 5, à partir de midi. On ne prend plus des intentions de messe. Paix et joie. Paix et joie. Quand je dis paix et joie, il faut répondre pour dire que j'ai compris. Paix et joie. Il ne faut pas appeler à 20h, vendredi à 20h pour dire je vais demander des messes. Vendredi 5 août, à midi, on arrête les intentions de messe. Si tu veux demander messe, tu te rends sur place ici. On prendra ta demande. Amen. Amen. La prochaine prière, c'est le 6. Et la troisième information, c'est concernant les offrandes. Ce que les offrandes consistent à faire. Nous allons faire tout à l'heure une offrande. À quoi ça consiste? Cela consiste à louer des bâches, des chaises, à payer le transport de tous ces hommes de Dieu, ces prêtres que vous voyez, et ensuite pour l'œuvre de bienfaisance en dehors de cette église. Donc la sœur va expliquer ça en Wolof pour ceux qui ne comprennent pas le Wolof. Paix et joie. Ma jaar ci limu ñëk wax moy ñi ñaan messe. Ñu ngi leen ñaan bu ngeen koy envoyer ngeen envoyer ko ba aljuma juroomelu fan ci mois d'août manam le 5 midi ci le demande messe di arrêté bu ngeen ñëwé samedi bi le 6 mën ngeen ko ñaan fi amna table bu ñuy tek fofu ngeen ñaan mais bu leen envoyer message pour demander messe après midi aljuma 5 ñaarël bi limu wax moy ñeebal bi ñuy def manam offrande. Buñ koy def parce gis ngeen ne ñi ñew ñep ñu ngi tok ci ay bâche ak chaise ñeebal bi ngeen di joxe pour loolu lay jariñ ak lepp lo xamanteni dañ koy def ci lu baax lu jëm ci keeru yalla loolu la wax mom la doon bampu wat ci wolof. Tu peux prendre ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Commence à présenter ton offrande au Seigneur.
Commence à présenter ton offrande au Seigneur. Lève bien la main, je ne vois pas. Pour ceux qui veulent faire l'offrande, le numéro c'est le 78 594 1414. Le numéro où on demande la messe. Vous pouvez aussi déposer vos offrandes. Et vous laissez un message accompagnant. Prie sur ton offrande, prie sur ton offrande. Vous qui êtes en ligne, prenez votre offrande. Le 78 594 1414. Vous déposez vos offrandes là. Vous déposez vos offrandes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Viens mettre ton offrande. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oh, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oh, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Et il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne. Est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne.
dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà intercession bichi top match di na ñaanal ñepp ño xamne dañuy ñaawal barké ño xam jaw juy wut borom kër dañuy wut jabar dañuy wut liggéey dañuy am ay projet construction voyage toutes les bénédictions match di na ko jël. Pendant ce temps ba fat na ronako faté ñepp ño xamné gis nañu ma sen kër goudi ci gënt wala sax il paraît que souvent du doon gënt dañu ñëw en rang wax ma liñu gënt ma agali lolu dégg leen bu baax dé ñi ma gis rek la wax sen kër ci goudi ñu lay wax ceux qui m'ont vu en rêve chez eux ou même c'est pas un rêve ça peut être quelquefois c'est réel ñu ñëw en rang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abbé a dit tout à l'heure nous allons prier pour la bénédiction. Je te demande de penser déjà à ton projet. Si tu as un projet, tu es là, je te demande de te lever. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas parce que ta voisine s'est levée que toi aussi tu vas te lever. Si tu n'as pas de projet, tu t'assois. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Projet, vous restez à vos places. Un projet, il y a une toxine place. Il y a un projet, toxine place. Ni gent abe, ou ni khalat abe, ni ta hobby, ni ki digni. Tu vas baisser la tête. Tu vas profondément te disposer. Et tu vas penser à ton projet. Pendant que tu penses à ton projet, connecte quelqu'un en même temps. C'est ta prière qui va appeler l'exaucement. Abbé Raphaël a dit tout à l'heure, ce n'est pas lui qui prie, mais c'est Jésus qui exauce. Pense à ton projet. Quelques minutes, prie au fond de ton cœur. Comme cette femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, elle a dit dans son cœur, si et seulement si j'arrivais à toucher son manteau. Pense à ton projet, s'il te plaît. Si c'est une grâce que tu attends, la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, pense à cela fortement. Oh, la pluie entre les naissances. Baisse la tête, ferme les yeux, pense à ton projet. Ne cherche pas à regarder frère Mathieu. On prend ça tout doucement. Si ce sont tes enfants, pense à tes enfants en même temps à leur projet. Continue de prier.
Vous qui nous suivez en ligne, priez aussi avec nous. Si vous avez des projets de voyage, de construction, des projets de mariage, vous avez fait des demandes pour obtenir des visas, pour aller étudier, pour aller travailler, vous demandez des séjours. Vous voulez obtenir des papiers pour avoir le travail à l'étranger. Commencez à penser à cela. Continue. Prie. 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 Le ciel est en train de s'ouvrir. Tu veux changer de travail? Présente cela au Seigneur. La main de Dieu n'est pas courte pour te toucher. C'est parti. C'est parti. Le vent de la grâce, le vent de l'exaucement a commencé à souffler. Le vent de la grâce a commencé à souffler. Concevoir, commence à présenter au Seigneur. Tu veux rencontrer l'âme sœur, présente cela au Seigneur. Tu cherches du travail, présente cela au Seigneur. Tu veux connaître l'avancement dans ton milieu professionnel, même spirituel, présente au Seigneur. Présente au Seigneur tes projets qui ne se terminent jamais. Ils sont tout en perturbé. Oh, Rabababah. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Tu vas garder les yeux fermés. Lève les deux mains simplement. J'ai dit, c'est dans ce silence-là que Dieu va impacter ta vie. Dieu va te donner du travail dans ce silence. Dieu enverra quelqu'un vers toi qui te prendra femme. Dieu enverra un homme, une femme. Dieu permettra que tes projets se réalisent. Yeah.
Lève bien les mains. J'ai dit lève bien les mains et reçois. La grâce de l'enfantement en ta direction. La grâce du mariage en ta direction. Lora dadi kado kari kadoro kadi kadoro kadi kadoro kadi kadoro kadi kadoro kadi kadoro kadara bata kado re kadara bara ba 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 re ba 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 re bra ro vo shatara bata re uso loro ndaka ba ba bini bara ba 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 solo dolo kadi abada robo skere bara ba 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 o Elia, Elia, Elia. L'heure de Dieu a sonné. Tes projets vont connaître l'ascension. Ta construction, la maison que tu veux construire, il est en train d'envoyer un architecte vers toi. Un architecte vers toi. L'homme, le prêt que tu as demandé, tu le reçois au nom de Jésus. Ton projet de voyage, tu le reçois au nom de Jésus. Toi qu'on appelait la délaissée, on t'appellera maintenant la préférée. Jérou kanse kele ya shakani olobo shabani lere ya kasakano rata la baba baba baba. Les finances te sont données au nom de Jésus. L'entreprise qui est en train de tomber en faillite connaît maintenant l'élévation. Ton entreprise qui est en train de tomber en faillite connaît l'élévation. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le kairos de Dieu vient de sonner. Vous qui nous suivez en ligne, vous qui nous suivez en ligne, il y a des gens qui vont avoir un papier. Un papier qui te permettra de travailler. Tu as longtemps prié pour cela. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Wow. L'heure a sonné. Je vois des augmentations de salaire. Je vois des augmentations de salaire. Je vois des augmentations de salaire. Yes.
Rabali Rubu Shakata Baba Baba Gini Lebra Soda Baye Gini Gada 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 Gini Kadia Gada Gini Kadia Gada Sobra Gini Karo Sara Baba 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 Baba. J'entends le nom Béatrice. Reçois la promotion au nom de Jésus Christ. Thérèse, Thérèse, reçois ma, ta part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction en train de descendre. L'onction en train de descendre. L'onction en train de descendre. Ton mari est à l'étranger. Depuis lors, tu fais les papiers pour le rejoindre. Cela ne marche pas. Je dis, voici le temps de Dieu. L'heure de Dieu, le temps de Dieu et l'heure de Dieu vient de sonner. Ah, ah. Vous qui êtes dans le domaine de la santé, recevez la promotion, recevez l'embauche, recevez le leadership au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabra Bada, Sabra Dada Baka, Lorobo Shaka Baba, le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit est au milieu de nous. Yes, 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 le Dieu est au milieu de nous. Il se parle. Il répand. Il répand. Il répand. J'ai dit sous cette bâche, il répand la grâce. Recevez, recevez, recevez. Vos vies vont changer. J'ai dit vos vies vont changer. Dès à présent, au nom de Jésus, Shakada, Lorakaba, Bindeleo Sakariaka. C'est l'heure de l'exaucement, accompagné de la promotion. Oh, je vois une personne dans notre assemblée, dans ton lieu de travail. Ils ont jugé de te donner un véhicule. Ils ont jugé de te donner un véhicule. Reçois, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karabayash. Karabayash. Oh, oh, il y a une personne qui veut s'investir dans le transport. J'ai dit, je vois des millions, je vois des millions, je vois des millions. Tes données maintenant. Oh yes, rakata baba 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 baba. Seria dalaka. L'enfourumbulu sakaria bada baya shikini. Wow. 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 Oh, la promotion, la promotion, la promotion insiste, insiste. La promotion 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 est en train d'insister. Dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Je vois la promotion sous cette page devant moi. L'onction de Dieu va tomber. L'onction de Dieu va tomber sur vous. Vous allez connaître une élévation au niveau professionnel. Des gens même qui n'avaient pas du travail. Vous allez avoir du travail. Vous allez avoir du travail. Je vois cinq jeunes personnes au fond, au fond, au fond, sous cette table, au fond. Donc Dieu va marquer la vie. Dieu va marquer la vie par le travail au nom de Jésus. Sakara baba baba. Lara dagaba. Serende kede wa sakaba. Aidez-la. Aidez-la. Oh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'entends le nom Henri. 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 Sakada baba. Robaka bashi. Arabaka. Erendo. Saria baba. Tu vas poser acte maintenant. Tu vas poser ta main droite sur ta tête. Pose ta main droite sur ta tête. La main droite. La main droite. Et tu répètes après moi. Seigneur. 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 Seigneur.
Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu m'as établi, tu m'as établi, comme prophète, et roi, père, père, je prie maintenant, que la parole se matérialise, que la parole se matérialise, que ta parole se matérialise, que ta parole se matérialise, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, je serai béni, je serai béni, à l'aller, comme au retour, au nom de Jésus, au nom ma maison sera bénie. Ma maison sera mon bénie. Travail sera béni. Mon travail sera mes béni. Activités vont prospérer. Mes activités vont prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Père. Père. Au nom de Jésus. 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 Je sécurise. Je sécurise cette grâce. Cette grâce. Cette bénédiction. Cette bénédiction. Au nom de Jésus. 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 Je vois la pauvreté quitter une personne. La pauvreté quitter une personne. J'ai dit, le signe que je te donne, tes mains sont en train de brûler. Tes mains sont en train de brûler. Tes mains sont en feu. Et il y a une autre personne. Quand j'ai dit, pose la main sur ta tête, tu as senti un feu se poser sur ta tête. Regarde. Dans les semaines à venir, je ne dis pas les mois à venir, la semaine prochaine, tu vas recevoir une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. Non, n'acclame pas. Tu vas recevoir une forte somme d'argent. Il y a une personne qui doit aller à l'étranger pour aller traiter une maladie. Je ne sais pas quelle est la maladie. Augmente, fils, augmente. Tu es en train de chercher de l'argent pour aller te soigner. La parole est claire dans mon esprit. Je te demande de venir. Si tu es là, je te demande de venir. Tu es en train de chercher de l'argent pour aller te soigner à l'étranger. Tu es là. Korabadakarie sontalabaya. Lebrakatikiria sakabababa. Il y a un miracle, il y a un miracle. Shekarabaraba sundarab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 a. Lorandegiria sakatabababa. Oh. On t'attend. Tu es en train de collecter de l'argent pour aller, pour aller à l'étranger pour aller te soigner. Oh. Jésus. Peut-être tu nous suis en ligne. L'argent, tu auras cet argent, mais tu n'iras plus te soigner. La main de Dieu vient se poser sur toi. La main de Dieu vient de se poser sur toi. Il y a un miracle qui vient de se produire dans ta vie. Ta maladie a complètement disparu. Je ne sais pas si tu es en ligne ou tu es là. Je ne vais pas insister. Parce que c'est Jésus-Christ qui agit. Ce n'est pas le frère Matthieu. Je te le dis au nom de Jésus. Tu as entendu les témoignages. Reçois ce miracle. Reçois le 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 miracle. Je demande à toutes ces sœurs. Toutes ces sœurs. Qui ne sont pas encore mariés, je vous le dis au nom de Jésus. Ce mois, ce septième mois, j'ai dit le septième mois dans lequel nous venons d'entrer, avant le mois d'août, vous allez faire des rencontres, je vous en supplie. J'ai dit vous allez faire des rencontres. Celles qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont personne dans leur vie, je vous demande simplement de lever bien les mains. Lever bien les mains. Hommes comme femmes, lève bien les mains. Tu vas faire une rencontre. J'ai dit à la sortie de cette prière, dans ce mois-là, tu vas rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer une femme. Tu vas rencontrer un homme. Je te le dis, tu reçois cette parole au nom de Jésus. Tu la reçois et tu verras les signes. Oh, c'est plus fort pour certaines personnes. C'est plus fort. Dieu est en train de matérialiser. Et dit, l'heure vient, et c'est maintenant.
L'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Sakarababa. Il me dit, parmi ceux qui ont levé la main, il y a une qui a fait une rencontre cette semaine. La semaine là qui est en train de finir, tu as rencontré une personne. Je vais prier pour toi. Il dit, cette semaine qui est en train de terminer, c'est terminé. Tu as fait la rencontre de quelqu'un. Viens, je vais prier pour toi. Sakara baba baba. On continue de prier en langue. Rokabashi. La raba baba 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 baba. Le raba baba baba baba. La re sokata raba yashi. Re braba dorobo sande le bouche. Cette semaine, tu as fait la rencontre de quelqu'un. Yes. Yes. C'est toi, ma soeur. Par toi, je dis par toi, le miracle de la rencontre de l'âme se va se répandre tout à l'heure. Lève les mains. C'est parti. Ferme les yeux. Reçois. Maintenant. Je chasse tout esprit de famille, tout esprit envoyé pour empêcher ce mariage dans vos vies est anéanti. Maintenant, tu reçois. Je sécurise cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saraba. Rekata. Bili Haos. Je vois le chiffre 25 millions. 25 millions. Tu veux rentrer pour achever la construction de ta maison. Je reçois 25 millions. 25 millions. Tu le reçois. Que tu sois en ligne ou ici. Tu reçois cet argent au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cet argent au nom de Jésus-Christ. J'entends le nom Louis et le deuxième nom Santos. Louis et j'entends Santos. Je ne sais pas quel est le lien et quel est le rapport. Mais si tu portes le nom de lui, je te demande de lever bien les mains ou de t'avancer. Si tu portes le nom de Santos, je te demande de venir. Parce que l'heure de la grâce est en train de s'écouler maintenant. Au nom de Jésus. Lady Akata Robo Sari, On va prophétiser. Benji, vas-y, le temps que je prie. Je demande à l'abbé Henri ou bien l'abbé Narcisse. Où est l'abbé Narcisse? Où est l'abbé Henri? Avec la permission du Père Raoul, je demande à l'abbé Narcisse de passer au milieu de l'assemblée avec
le Saint-Sacrement. Si l'abbé Henri dort, peut prendre le Saint-Sacrement, passer au milieu, la bâche qui est à gauche, et notre frère, la bâche qui est à droite, et la bâche qui est devant. Je vais vous dire pourquoi. Et tout le monde doit se lever. Puis joie. On se lève pour accueillir la présence de Dieu avec ne dis rien. Je veux que quand le Seigneur va passer, tu accueilles sa présence et tu laisses le Seigneur lâcher quelque chose sur ta vie comme il est déjà en train de faire. Tu regardes simplement Jésus. Ne touche pas à Jésus, tu le regardes. Parce que c'est lui-même qui te regarde d'abord. L'abbé Nassif va être au milieu. L'abbé Henri là-bas à ma gauche. Un autre frère à ma droite. Un autre frère devant moi, dort. Nous allons regarder Jésus, nous allons chanter avec le ministère. C'est l'heure. C'est l'heure de Jésus. Ce n'est pas notre heure. C'est l'heure de Jésus où il veut te faire du bien. Tu dis simplement, Seigneur, c'est l'heure, nous t'appelons. C'est l'heure de Jésus. L'heure du salut. L'heure de la réalisation de sa parole dans ta vie. Et laisse la présence de Dieu t'envahir. À droite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le Saint-Sacrement? Devant moi, là-bas, d'or. Non, la bénassis. La bénassis te limite dans l'église. Regarde Jésus et c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Beaucoup de personnes ont soif de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie professionnelle, dans ton travail, dans ta famille, dans tes projets. C'est l'heure. C'est l'heure où le Seigneur t'envahit. C'est l'heure où le Seigneur réalise ses desseins sur toi. Et la puissance de Dieu est à l'œuvre. Ouvre ton cœur, accueille la présence de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur passe et il sèche tes larmes. Le Seigneur remplit ton cœur du bonheur. Le bonheur de le rencontrer, la puissance qui envahit ton cœur. C'est l'heure pour toi. Le Seigneur brise les malédictions qui t'empêchent d'exceller. C'est l'heure du salut. Tu vois, le Seigneur est en train de te prendre par sa main. Le Seigneur te prend par sa main. Il te relève. Le Seigneur, c'est l'heure pour lui de libérer tes mains et tes pieds, de briser l'esprit de non-accomplissement dans ta vie. C'est l'heure pour Jésus. C'est l'heure pour toi de recevoir les bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi. Merci Jésus pour ta puissance de libération, pour ta gloire que tu libères, ta gloire qui se manifeste Jésus.
pour ta gloire qui se manifeste, Jésus. Jésus, de libérer les grâces multiples, la grâce du travail, de l'enfantement, du mariage, du succès. Et Seigneur, c'est l'heure d'écarter les obstacles. Merci Jésus. Sa gloire te touche. Sa gloire te touche. Sa gloire te touche. Merci Jésus, ta gloire nous touche. Ta gloire nous touche, Jésus. Merci Jésus. D'élévation passée au milieu de notre assemblée pour élever certaines personnes. Cette onction d'élévation passe, elle va tomber sur certaines personnes. Et j'ai vu suspendue dans l'air également cette onction de pêche miraculeuse. Cette grâce qui a été faite à Pierre d'obtenir une pêche miraculeuse, certaines personnes vont entrer dans une bénédiction miraculeuse. Nous allons demander simplement au Seigneur, pour ne pas perdre du temps, nous allons demander que cette onction tombe sur notre assemblée. Cette onction d'élévation et cette onction également de pêche miraculeuse. Je vois cette onction à notre droite devant nous. Je demande au Seigneur simplement que cette onction tombe sur notre assemblée. Les personnes qui reçoivent cette onction-là, votre cœur se resserre. Vous allez fondre en larmes. La puissance de Dieu est en train de tomber sur vous. Je demande au Seigneur de faire parvenir cette onction de bénédiction miraculeuse sur chacun. Sur chacune de ces personnes qu'il touche. Ton cœur se resserre là où tu es. Je te vois devant nous du côté gauche. Vraiment, la puissance de cette onction est sur toi. Je demande au Seigneur que cette onction passe, vraiment. Seigneur, je te prie de ne pas arrêter cette onction. Je te prie que ça passe, vraiment. Cette onction, c'est une onction de pêche miraculeuse. Vous allez recevoir beaucoup. Arrêtez-la, s'il vous plaît. Vous allez recevoir beaucoup. Des filets de votre pêche vont avoir du mal à se contenir. Maintenant, ça se déverse sur vous. Ça se déverse. Plusieurs vont pleurer, vont crier. Ça se déverse sur vous maintenant. Ça se déverse sur vous. Ça tombe sur vous. C'est une onction de pêche miraculeuse. C'est une pêche miraculeuse. Ça tombe à l'extérieur du côté gauche. Ça tombe dans notre assemblée. Dieu vous donne. Il donne et il embrasse son peuple. Il embrasse son peuple. Il embrasse son peuple. Il embrasse. Seigneur, donne. Donne cette onction. Que cette onction s'empare de ces personnes. Je t'en prie. Seigneur, tu descends cette onction. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu veux donner à profusion, nous t'en prions. Donne cette onction, Jésus. Donne cette onction.
Jésus marche au milieu de nous. Il marche au milieu de nous du côté gauche. Il marche. Plusieurs personnes qui avaient la vie vide à cause de la malédiction. Jésus vous donne cette onction. Votre vie va être bénie. Votre vie va être productive. Jésus donne. 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 Donne Jésus. Donne à tes enfants. Donne à tes frères. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Nous allons patienter pour qu'il termine. Il donne beaucoup, Jésus. Jésus, tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup. Il y a une sœur qui est à ma droite, qui est enflammée d'un feu. C'est cette onction-là. Elle est à droite de l'Assemblée. Elle ne tiendra pas. Elle est enflammée de ce feu. Dieu est en train de lui donner cette onction. Dieu lui donne cette onction. Jésus dit, je vous donne cette onction. Je vois Jésus du côté droit de notre assemblée maintenant. Il donne cette onction. Il donne cette onction. Il donne cette onction. Il donne cette onction. Jésus, 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 donne cette onction. Jésus, donne cette onction. Jésus, donne cette onction. Jésus, donne cette onction. Jésus, je t'en prie, donne cette onction. Couronne ces personnes. Tu amènes la couronne également. Couronne ces personnes. Couronne ces personnes. Donne cette onction. Donne cette onction. Jésus, donne cette onction. Les personnes que tu couronnes, tu termines par là. Couronne ces personnes. Tu vois Jésus, tu leur donnes une couronne. Elles sont à l'extérieur. Tu leur donnes une couronne. Cette couronne de gloire, librement selon ton cœur. Tu leur donnes cela. Cette couronne tombe sur ces personnes. À notre gauche là-bas. Sous la tente, tu leur donnes cette couronne, Jésus. Jésus, donne-leur cette couronne. Donne-leur cette couronne. Maintenant, Jésus. Jésus, donne-leur maintenant. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-leur maintenant cette couronne. Couronne ces personnes. Couronne, elles sont quatre sous la bâche à l'extérieur. À gauche, couronne-les, Jésus. Donne-leur cela. Donne-leur cela. C'est une onction de force qui accompagne ce couronnement. Tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. C'est pour te bénir. Le Seigneur te donne cette onction. Tu es sous la tente à l'extérieur. Le Seigneur couronne ces personnes. Alors Seigneur, nous te disons merci parce que le temps ne nous permet pas. Nous te disons merci Seigneur. À toi toute la gloire. Merci Seigneur Jésus. Alors une annonce. Il y a une montre qui est tombée. Amna fi benni montre. Bidanu. Koukorerle. Tu peux t'approcher. Amna benni chapelet aussi. Chapelet bi médaille bi. Amna médaille bu nek Saint Christophe. Chapelet bu ndaw la bu wèr. Am benni designé aussi. Bidanu. Mais il y a une alliance. C'est en or d'ailleurs. Alliance mariage. Voilà. Ni rerle yoyou. Ngen de gésima. Maintenant, je vais procéder à la bénédiction. Sortez le sel. Je bénis le sel. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je t'exorcise, créature sel, par le Dieu vivant, par le Dieu saint, par le Dieu vrai. Par Dieu qui jadis donna à son prophète Élisée l'ordre de te jeter dans les eaux pour en guérir la stérilité et pour qu'elle n'engendre plus la mort. Tu deviens ainsi celle exorcisée. Sois le salut de l'âme et du corps des fidèles et de tous ceux qui iseront de toi en te consommant, en se lavant avec toi lorsque tu seras mêlé à l'eau, en tout endroit où tu seras répandu. Si toute personne sur laquelle tu seras aspergé, tu mettras en fuite et tu défendras contre la présence des forces sataniques. Accorde protection, bénédiction, grâce, fécondité à ceux qui iseront de toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'eau endormie. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Je t'exorcise, créature eau, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, au nom de son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. Et par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit aux dons et aux fruits multiples.
mêlé à ce sel, tu deviens exercisé. Sois le salut de l'âme et du corps des fidèles et de tous ceux qui iront de toi, en se lavant avec toi, en te consommant, à tout endroit où tu seras répandu, que ne réside pas la présence des forces sataniques. Protège des accidents de la circulation et de tout accident, des incendies, des maladies graves et transmissibles et de toute forme de molestation du démon. Accorde bénédiction, grâce, paix, vie, fécondité à tous ceux qui seront de toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, je dis la formule qu'il faut. Trois fois, au nom du Père, vous mettez une poignée de sel dans l'eau, et du Fils, une poignée de sel, et du Saint-Esprit, Gendef. Que l'eau et le sel soient également mêlés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Les médailles, chapelets, chaînette, croix, statue. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Père Créateur, j'étends la droite de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de l'Esprit Saint, j'accorde ma bénédiction à ces chapelets, ces médailles, ces designés, ces croix, ces statues. Je répands le feu de l'Esprit Saint pour éloigner toute présence maléfique dans ces objets de piété. Que toute personne qui va les porter sur elle en reçoive bénédiction par les mérites des saints dont l'effigie s'y trouve. En tout endroit où seront déposés, que leur lumière mette en fuite les ténèbres de l'adversaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alors la prochaine fois, on vous a dit que c'est pour le 6 août. On va essayer d'être là si Dieu nous l'accorde. Alors, je vais vous dire que vous avez dit que mais nous qui barrent nous hamatou parce que Bashi location c'est 200 et quelques mille hein? Location Bashi accès seulement 200 et quelques mille les machines là aussi mais vraiment amener nous japper nous l'ont digérer Coralbi jogue Dakar parcelle pas parcelle c'est parcelle et Don Bosco and Arsène Marraine nous l'ont digérer voilà. Mangi sante ku nek di ñaanal ku nek voilà paix joie amen. Je profite de l'occasion pour exhorter chacun de vous à demeurer dans la prière jusqu'à la prochaine prière. Amen. Il faut continuer à prier. La prière est très importante. La bénédiction, on se lève pour la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Tout est accompli, le voile est déchiré. Paix et joie. Il y a des gens qui ont laissé les lunettes. Les lunettes. Les chapelets qui sont perdus, chapelets en bois. Voilà, vous avez vos lunettes ici. Faut venir les récupérer. Yeah.
Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli, victoire. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Qu'il est ressuscité. Sénégal, 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 Sénégal. Je viens du Sénégal. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Sénégal, 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 Sénégal. Je viens du Sénégal. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Dans le nom de la Seigneur, nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne de la Seigneur, nous pouvons penser ou imaginer. Ce que je fais est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Thank you.